Mafoudlak, en parlant de défense. Oui. Récemment, je fais il y a certains avocats qui subissent des attaques parachutées de part et d'autre. Et vous-même, si je ne me trompe pas, vous avez été victime d'une attaque par certains. Moi, je ne serai jamais victime. Ils peuvent toujours courir. Je ne suis pas victime et je ne serai jamais victime. J'ai des positions. J'ai fait un serment. Pourquoi ? Parce que j'ai dénoncé les terroristes qui sont transformés en héros. Moi, j'ai fait serment devant les tombes de mes camarades, de mes amis, de mes compatriotes, que jamais je me tairai. Ou vous avez vu les attaques. Vous n'avez pas vu les soutiens. Moi, je suis fière de tout ce que... Moi, je n'avais pas l'intention. J'ai discuté dans un échange sur Zoom. Je ne pensais pas du tout que ça allait faire ça. Et je pense, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Aouicha, tu as fait l'effet d'un orage sur nos têtes et tu nous as réveillés. » Ce n'était pas le but, et bien c'est tant mieux. Parce que les Algériens se sont rappelés qu'on a enterré des enfants, qu'on a enterré des femmes égorgées. Je n'ai pas tout dit, je ne finirai pas de dire. Zohra Djellid a été égorgée devant ses trois filles. Beaucoup, beaucoup, je n'en finirai pas. Vous savez tous, la Kabylie a souffert. Toutes les régions d'Algérie a souffert. Et tant que je vivrai, au contraire, je suis là, j'ai promis, j'ai juré à mes amis. Et l'Algérie n'oubliera pas ses enfants, n'oubliera pas le sang coulé. Alors l'Algérie n'oubliera pas et elle retient. L'histoire n'oublie rien. Ils sont en train de se rentrer dedans. Je suis qu'une personne, une citoyenne algérienne. Je ne suis pas la seule. Vous avez vu la solidarité. Je suis étonnée. Et puis j'appelle, c'est une occasion. Pour ceux qui me disent « je suis avec vous ». Non, vous n'êtes pas avec moi, ce n'est pas mon combat, c'est notre combat. Nous sommes ensemble pour combattre l'obscurantisme et le... Voilà.